Salut tout le monde, c'est Yandere-chan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est la troisième partie. Donc on doit trouver ce qu'il arrive à l'équipe. Alors, aïe aïe aïe. Le club de football ne peut pas ne pas exister. Je parie qu'ils veulent juste me faire une blague. J'ai très mauvais goût alors. Ah, Samgook. J'aurais du mal à faire les ponctuations des fois. Samgook, te voilà. Ricardo m'a dit quelque chose d'étrange. Est-ce qu'il y aurait un problème avec le club de foot? Le club de foot? Tu dois être un nouvel élève de 6e, hein? Rejoins donc le club de sumo! Si tu veux, je pourrais même t'apprendre quelques poses! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hey, le 6e, le foot, c'est pour les mauviettes, mais c'est plutôt le rugby! Ça, c'est du sport! Désolé, le football ne m'intéresse pas. Mais... Navré, je suis très occupée. Mais je croyais que... Et pourquoi pas du baby-foot? Désolé, petit, mais je n'ai pas du tout envie de faire partie d'un club. Pareil. Mais t'es qui, toi? Du foot? Personne ne joue au foot. Ah, ce qu'il a. Par exemple, Lucia? Ce qu'avait Lucien, c'était quelque chose qu'a dans Yandere Simulator, un étui à violon. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Je me demande ce que je leur ai fait. Il n'aura rien fait, Arion. Ah, JP! Oh, son! Non, lui! Il est là! JP, attends-moi! J'avais oublié, on est dans... Son nom, je vais voir si vous l'entendez. J'ai monté les voix et tout à fond pour voir si vous l'entendez. J'espère qu'on va l'entendre. Car son nom, c'est le nom le plus con du monde. Il va au gymnase? Je vais le suivre et voir ce qu'il mijote. Il mijoterait lui aussi. Oh là, attendez. J'ai mon stylet qui m'est tombé à la main. Putain, mais faut vraiment que j'arrête de toucher les boutons pour tourner. Mais hé, je fais pas exprès de toucher les boutons, je vous le jure. Cet endroit changera, hein, je vous rassure. Il changera après. Franchement, je vous dis, profitez de cet endroit. Profitez de cet endroit parce qu'à mon avis, il va partir plus tard. J'y paie. J'y paie. Quoi? Ah, tu viens de rentrer en 6e, non? Je m'appelle Jean-Pierre Lapin. Tu veux rejoindre le club de tennis de table? Vous avez entendu? C'est que cette histoire. Arion. Je vous le redirai pour ceux qui me parlent mieux. J'adore cette musique. Parce que nous faisons partie du club de football. Parce que nous faisons partie du club de calligraphie. Ah, calligraphie. Ah. Comment c'est tellement bien fait, quoi. Ta calligraphie qui te tombe sur la tête et tout. Je suis perdu. Ils sont tous devenus fous. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas entendu son nom, c'est Jean-Pierre Lapin. Donc Jean-Pierre, en fait, mais lapin. En fait, JP ressemble surtout à Pikachu, je trouve. Et alors tu viens voir le match sur le terrain de la rivière ou pas? Bien sûr, d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche, sinon on va rater le début. Et Arion va croire que c'est ça. Un match sur le terrain de la rivière? C'est sûrement un match de foot. Les autres ont dû vouloir me faire une surprise et organiser un match là-bas
Je vais tout de suite aller voir. Ou alors c'est Inazuma Japon. Non, je blague. Inazuma Japon, ça a été dissous et tout. Mais justement, t'as... Que devient Mark Evans? Si Mark Evans n'est pas coach, qu'est-ce qu'il devient justement? On se le demande. Bon, je parle pas directement aux gens, moi, je sais. Les vidéos, là, il y a des choses spéciales, ce sont sur les photos... Attendez, je baisse le son. Ce sont sur les photos. Ah oui, cet endroit, c'est accessible dans Galaxy. Donc en fait, on pourra prendre le tram. Ok, je crois que t'as la musique qui s'arrête. Excusez-moi, j'ai attrapé un rhume, je crois. Non, je sais pas. On garde ce qui est son match de football. Quoi? Hé, sa tête! C'est de... La rivière. C'est aussi un terrain de baseball maintenant? C'est cool les images là. C'est pas possible. Où est passé le terrain de foot? Alors le club a vraiment disparu? Non, c'est pire que ça. C'est comme si plus personne ne s'intéressait au foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde adorait le football. Est-ce qu'ils ont tout oublié? Mais enfin, Arion, tu sais où habite le coach Evans? Je sais pas. Tu vas chez le coach Evans? Je sais pas, il va chercher le coach Evans. Le football avait disparu. Négatif. Le football n'a pas complètement disparu. Oh non, pas lui. Le football n'a pas complètement disparu. Arion Sherwin. Le football va maintenant être effacé de ta mémoire. Quoi? Je m'appelle Alpha. Et ma mission est d'anéantir le football. Anéantir le football? Dans le film, t'as l'écriture. Vois-tu, les dernières traces sont en toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai! Je ne sais pas pourquoi tout le monde agit bizarrement à Raymond, mais j'ai l'impression que tu y es pour quelque chose. C'est le cas? Regardez sa coiffure à Alpha. Elle est pas bizarre? On dirait des oreilles d'éléphant, ce truc. Désolé pour ceux qui aiment bien Alpha, mais... Enfin, je sais pas s'il y en a qui aiment bien Alpha. Moi, franchement, Alpha, c'est pas mon préféré. Mais on dirait un robot, il aurait pas plutôt dire « Oui, c'est moi », et là, affirmatif. Qu'est-ce que tu as fait? Si on parle comme ça dans le futur, je vous jure, j'ai pas envie d'être dans le football. Il faut que tout redevienne comme avant. Tu vas nous rendre le football. Négatif. Ouais. Je vais faire exactement le contraire. Aura bientôt définitivement disparu. Tout ce qu'il sait dire, je pense, c'est affirmatif, négatif. Non, pas question, je ne te laisserai pas faire. Tu n'as pas le pouvoir de m'arrêter. Vous avez vu? Il nous a transpercé. C'était trop bizarre. On est là. On est complètement échoué sur le sol. Oh mince. Excusez-moi si je fais mal les intonations. Où est-ce que je suis? Oh, je pense que je sais. Découvrez ce qui vous est arrivé. Oh, la musique. Ça, c'est une vieille musique, je pense. Je suis pas sûr, on peut tomber, je vais essayer de tomber. Ouais, je crois que c'est celle de l'Académie Alius. Je peux me tromper, hein. Si vous savez après, c'est quoi les noms des musiques. Cet endroit. Est-ce qu'on va voir? Allez, Arion, il faut rentrer. Oh, c'est Arion là-bas. Regardez, c'est Arion. C'est Arion, il est trop mimi, franchement. Oui, maman.
Oh, sa voix est trop mignonne. Elle est trop kawaii. Regardez-moi sa tête, comme il a changé. Bon, pas de beaucoup, mais bon. Là, c'est l'image qui tourne. Maman ? Et là, c'est moi ? Regardez sa coiffure, ça a vraiment changé. J'habitais à Okinawa. Je me souviens de cette journée. Est-ce que je suis en train de rêver ? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode... qui n'ont pas vu l'épisode... Petit toutou ! Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous laisse pas. Ce qui va se passer ? Oh, le toutou, regardez, il est trop mignon. Oula, vous voyez absolument rien. Là, regardez, on le voit. Merde. Regardez. Ah, si la qualité était meilleure, je vous montrerais vraiment. Il est vraiment encore plus mignon. Arion, reviens. Par contre, il ressemble absolument pas à sa mère. Non, ce n'est pas un rêve. Je suis en train de revivre le jour où j'ai découvert le football, il y a 10 ans. Ça n'a aucun sens. Attends, s'il y a 10 ans... Ne cherche pas à comprendre. Contente-toi d'accepter la réalité telle qu'elle va devenir. À partir de ce jour, le football ne signifiera plus rien pour toi. Purée, c'est 11. J'étais tellement perturbé par le... en train de filmer que j'ai pas fait attention. Arion ! Oui, je reconnais cet endroit. C'est ici que mon amour pour le football est né. Quand ce ballon m'a sauvé la vie, j'ai décidé de la consacrer au football. Début de la correction. Mode attaque. C'est pas ce qui s'est passé, je vous jure. Je vous jure, c'est pas ça la logique. Ici Alpha, déviation temporelle confirmée. Voilà, comme il dit, c'est une déviation temporelle. Inutile de t'inquiéter, tu as survécu. Dans un mois tout au plus, tu seras complètement rétabli. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le garçon qui a tiré, c'est Axel Blaze, dont je vous en ai déjà parlé. Et en fait, il est censé démonter les planches de bois, donc les démembrer, enfin, je sais pas trop. Et après, Arion est censé voir le signe de Raymond. Donc, ce petit signe là qu'on voit en plus. Attendez, je l'ai perdu. Ce signe. Voilà. Sur le ballon, il sera pas coloré. Non. Là, je vais dans le normal. Et donc, voilà. Mais le football a complètement disparu de ta vie. Quoi ? Ah non ! Ah, le football, je dois... Les souvenirs inutiles sont en train de s'effacer de ta mémoire. Je peux pas vous refaire ces bruits. Voilà, c'est terminé. Mission accomplie. Mais regardez-moi son ballon. Attends. Il est devenu une orbe. J'aime le football. Comment? J'aime le football. Je l'aime plus que tout. Le football, c'est ma vie. Le football est trop important pour moi. Je ferai tout pour le protéger. Vous connaissez dans l'autre épisode. Allez, au revoir.